Hey, bonjour à tous. Cette vidéo est un peu spéciale parce que j'ai dû prendre des notes tellement c'était un peu aberrant. Et donc je vais vous lire ce que j'ai écrit et forcément je vais faire mon petit commentaire entre les deux, hein, et vous en tirez les conclusions que vous voudrez. En sachant que je ne suis qu'une complotiste et que de toute façon tout ce que je raconte n'est que pure foutaise. Beaucoup de gens se mettent en danger, eux et leurs proches, en ne voulant pas ouvrir les yeux et voir ce qui se passe ici et maintenant. La liste que je vais vous donner ne me concerne pas, car j'ai choisi mon camp. Je suis d'ailleurs assez critiquée pour ça. Néanmoins, il suffit d'être un peu curieux, de voir que quelque chose ne tourne pas rond pour commencer à se poser des questions. Alors voici une liste que beaucoup croient encore être fausse. Je ne donne ici que quelques exemples parmi beaucoup d'autres. Alors, l'État fait tout ce qu'il faut pour nous sauver la vie. Ah, on le voit, hein, il fait tout ce qu'il faut pour nous sauver la vie. Il nous enlève les médicaments, il nous enlève les masques, il nous enlève tout, mais il fait tout ce qu'il faut. N'oubliez pas ça. Hein. L'État ne nous ment pas. Ben non, il ne nous ment pas. Pourquoi il nous mentirait? À quoi ça servirait? Où est le bénéfice que l'État nous mente? Pourquoi il nous mentirait? Je vous demande. Le confinement est une solution pour nous protéger du virus. Le confinement est une solution pour nous protéger du virus. Un virus qui ne fait au final pas plus de... Je ne dis pas qu'il n'existe pas, hein, mais un virus qui au final ne fait pas plus de morts qu'une grippe normale. Ce qu'on oublie de dire, c'est quand même... Désolée. Ce que l'on oublie de dire, c'est que quand même, dans le virus... Hein, est inclus toutes les maladies qu'il y avait auparavant, mais qu'on a oubliées. Parce qu'il y a des gens cardiaques, il y a des gens qui sont diabétiques, il y a des gens qui sont en surpoids, il y a des gens qui ont des problèmes de circulation sanguine. Il y a plein de maladies, en fait, qui se sont retrouvées dans le virus. Et comme... toutes ces maladies ont disparu pendant le virus, du coup, eh ben, il y a des milliers de morts. Bah ouais, il y a des milliers de morts. De là à ce qu'on nous dise que les morts de la route sont dues aussi au virus, ah, il n'y a encore pas des kilomètres. Voilà. Donc on nous confine. Le virus est très grave. Je viens de le dire. L'État ne nous met pas en esclavage. Non, non, il ne nous met pas en esclavage. Donc, déjà, il nous oblige à être en prison chez nous. Parce qu'on est en prison, quand même. Hein? Parce que pour sortir, il nous faut une attestation. Donc, hein? Pour le moindre petit truc, hein? Aller faire un tour dans la forêt au milieu de... où il n'y a personne, où il y a juste la verdure. Personne. Hein? Vous allez faire un tour avec votre famille... en forêt ou dans la rue, et vous faut votre attestation, comme quoi vous prenez juste l'air. Voilà, vous êtes en prison, vous savez, en prison on vous donne une heure par jour. Quand on est en prison, on vous donne une heure par jour pour sortir. Là vous pouvez sortir avec votre attestation une heure, voilà, et avant le couvre-feu, parce qu'après le couvre-feu ça fonctionne plus avant le couvre-feu. Mais on n'est pas en prison. Non, non, on n'est pas en prison. On a le droit d'aller en course avec l'attestation. On n'a pas le droit d'aller voir nos familles. On sait jamais, hein, des fois que... Mais bon, on n'est pas en prison. Ah non, 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 on n'est pas en prison. On n'est pas en prison du tout. Alors, je sais plus. Les vaccins sont bons pour nous.
Les vaccins sont bons pour nous. Alors, j'ai mis sur ma page Facebook un lien qui explique exactement ce que sont les vaccins et, d'ailleurs, je vais peut-être le mettre sous la vidéo, ce que sont les vaccins et ce qu'il y a dedans. Et pour le coup, c'est pas une page fake, c'est une page qui vous dit la vérité. Une certaine vérité que certaines personnes ne veulent pas entendre, ceux qui sont pro-vaccins ne voudront pas comprendre que c'est la vérité. Mais malheureusement, je suis désolée de vous dire que c'est comme ça. Donc, les vaccins, ils sont bons pour la santé. N'oubliez pas. Mais avant de dire les vaccins sont bons pour la santé, je vous conseille vivement d'aller regarder le lien que je vous mets en dessous. Et après, vous jugerez du bienfait des vaccins. La 5G fait partie de l'évolution. Ah, ben la 5G fait partie de l'évolution. Ben oui. On a eu la 3G, la 4G, la 5G, on aura aussi la 6G, la 7G. La... Et ouais, ben ça fait partie de l'évolution. Ben je ne sais pas de laquelle en fait. Hein, parce que nombreux pays, hein, de nombreux pays sont quand même en train de détruire la 5G. Les antennes de 5G sont en train de les détruire. Pardon, je suis désolée, il y a du vent, il y a du soleil, mais il y a du vent. Donc, voilà. Ils sont en train de détruire les antennes de 5G. Si les gens pensaient que ça fait partie de l'évolution, ils ne détruiraient pas les antennes de la 5G. Donc c'est qu'il y a un problème derrière ces antennes de la 5G. Et pourquoi est-ce qu'on profite du confinement pour nous les poser en douce? Et pourquoi est-ce qu'on nous oblige, puisqu'on les pose pendant le confinement, vu qu'on n'a pas le droit de protester. Alors pourquoi est-ce qu'on nous oblige, est-ce qu'on nous impose la 5G? Je vous demande. Je sais pas, il y a peut-être quelque chose derrière la 5G? Non, je sais pas, peut-être. La puce RFID n'est pas une puce pour nous surveiller et nous contrôler. Bah tiens. Voyons, c'est pas vrai, pas du tout, c'est juste pour nous permettre de prendre notre bus, notre train, c'est juste pour nous permettre d'ouvrir des portes, de les fermer, c'est juste pour nous permettre d'aller à la banque, même si on n'a pas notre carte bancaire pour pouvoir... retirer des sous, c'est juste pour pouvoir aller chez le médecin sans avoir la carte vitale. Alors là, déjà, je trouve que ça fait beaucoup. Hein? Je trouve que ça fait beaucoup. Je pense, et ça, c'est un avis tout personnel, hein, mais bon, vous pouvez aller chercher, hein, que si on peut faire tout ça avec la, la puce, ben, on peut aussi nous contrôler. Enfin, moi, je dis ça, j'ai rien. Hein. Je vous rappelle que tout ce que je vous dis ne sont que des conneries. Donc, ouais, voilà. Je vous dis ça, je vous dis rien. Le vaccin n'est pas en préparation et il n'est pas encore fabriqué. Bon, ben moi, je veux juste, je veux bien. Il est juste là pour me sauver la vie. Ouais. Ben alors, moi, je veux bien. Il est en cours de préparation, soi-disant. J'aimerais savoir pourquoi est-ce que il y a des essais qui sont déjà faits en Afrique. Pourquoi en Afrique d'ailleurs, hein? Parce qu'ils ne peuvent pas se révolter, parce qu'ils n'ont pas le droit à la parole, donc on les fait aux jeunes Africains. Qui finissent très malades, voire pire, qui en meurent. Mais non. Et le vaccin n'est pas encore fait. Et non, c'est pas vrai. Et d'ailleurs, beaucoup de gens attendent ce vaccin avec impatience, qui n'est pas en cours, qui n'a pas encore été fait et qui n'est pas en train d'être essayé actuellement sur les peuples africains. Si je vous dis ça, c'est parce que dans mes contacts, j'ai des personnes qui vivent en Afrique, qui sont en Afrique et qui peuvent témoigner de la situation. Encore une fois, c'est pas vrai, je complote. Ah, le virus ne mute pas selon les personnes. Alors, c'est une étude qui est menée
C'est une étude qui est menée, mais qui n'est pas spécialement dite à tout le monde. Le virus muterait. Il muterait selon son hôte. Ouais, il s'adapte à son hôte. Hein? Bon. Ben, c'est un peu normal, hein, puisque c'est un virus. Donc, il s'adapte à son hôte. Voilà. Que vous dire d'autre? Allez chercher, allez voir. Quand on attrape le virus, on est immunisé. Ah, c'est une bonne blague. Il y a plein de témoignages qui se font actuellement en disant que les personnes qui ont attrapé le virus une fois sont susceptibles de l'attraper deux fois. Et des gens disent qu'ils l'ont eu une fois. Et dans les mois qui ont suivi, ils l'ont rattrapé une deuxième fois. Bon, moi je dis ça, je dis rien. Hein, alors, restons immunisés contre le virus, c'est tout à fait normal. L'État ne prépare pas l'après-confinement. Non. Avec tout ce qui leur prend en fesse, pardon, excusez-moi, ils ne préparent pas. Non. D'ailleurs, ça va avec celle qui est juste en dessous. Il est normal que l'armée se fasse des réserves de chloroquine et de masques. Donc, l'État ne prépare pas l'après-confinement. Non. L'État a dépensé des millions d'euros dans des drones pour nous surveiller. Hein. Voilà. L'État a commandé des armes puissantes. L'État a commandé des LBT, des LBD, bref. L'armée a des masques. L'armée a de la chloroquinine. Mais l'État ne prépare pas l'après-confinement. Dites voir, la chloroquinine, c'est quoi? La chloroquinine, c'est donc un traitement. Donc là, que le professeur Raoul a mis en place pour ceux qui auraient attrapé le virus et qui sont dans l'étape 1 ou 2 avant que ce soit trop tard, hein, et qui fonctionne et qui a de très bons résultats. Bon, à partir de là, c'est un antipaludéant. Bon, l'armée, que je sache aujourd'hui en France, à part contre le virus, n'est pas en guerre. Et encore, c'est Macron qui a dit qu'on était en guerre, parce que finalement, on n'est pas en guerre. Donc, à quoi ça sert? Toutes ces commandes de chloroquine pour l'armée. Je ne sais pas. Peut-être qu'ils ont l'intention, ils sont avec l'OMS. Non, pardon, l'ONU, je me trompe. De toute façon, c'est à peu près la même chose. Donc, l'État, l'armée fait partie de l'ONU et donc peut-être qu'on va aller faire un petit tour en Afrique. Hein, on se prépare avec la chloroquine. Ben oui, parce que les Africains, même si ils n'ont pas beaucoup d'armes pour se défendre, ils peuvent refuser, ils ont le droit de refuser et beaucoup refusent. Alors on va les aider gentiment avec l'armée à accepter hein, les tests qui deviennent des cobayes. Hein. Bon, de mon côté, c'est qu'on ne fait plus les cobayes avec les animaux. De l'autre côté, c'est l'être humain qui fait le cobaye. Ah, ben, faut bien un cobaye. Hein. Et puis, j'ai beaucoup aimé une réflexion qu'on m'a faite hier. Hein. C'est que, écoute, on n'a pas testé la chloroquine avec le placebo. Donc, on ne peut pas être sûr à 100% que ça va fonctionner. Ben non, on ne peut pas être sûr à 100%. Sauf que les personnes qui ont été traitées juste avec la chloroquine, chloroquinine, bref, et qui n'ont pas eu de placebo, ben, ils s'en sont sortis. C'est marrant, hein? On n'a pas eu besoin de placebo. Alors, pourquoi mettre un placebo? Pourquoi remettre en doute quelque chose qui fonctionne? Hein? Pourquoi? Je ne sais pas.
remettre en doute quelque chose qui fonctionne et qui ne fonctionne pas que depuis, depuis le virus, hein, qui ne fonctionne pas que depuis 10 ans. Hein. Ça fait plus de 30 ans, hein, voire plus, que ça fonctionne. Mais là, tout d'un coup, paf, ça ne fonctionne plus. Oh, bah merde. Bah, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, je ne sais pas. Bah, toujours est-il que, bah, il nous faut des tests approfondis et il nous faut faire des tests avec la chloroquine et des placebos. Alors, moi, je vous dirais que les placebos, ça risque de marcher. Pour la simple et bonne raison que la personne qui croit prendre le médicament prend un placebo et que notre corps étant intelligent et que notre cerveau, lui, étant persuadé qu'il prend un médicament alors qu'il prend que de la farine et de l'eau, pardon mais ça m'énerve, ne prend que de la farine et de l'eau. Et donc, bah, qu'est-ce qu'il va faire le cerveau? Le cerveau, il se dit, on a un traitement. Et donc, le corps, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va développer des immunités. Eh oui, des immunités. Donc, forcément, le placebo risque de fonctionner aussi. Eh ouais. Sauf qu'il ne faut pas que le patient le sache que c'est un placebo. Parce qu'à partir du moment où il sait que c'est un placebo, c'est foutu. Hein, c'est... Le cerveau, il n'est pas con, il sait très bien que le placebo, c'est de la miette. Donc, voilà. Eh bien, ça risque de fonctionner. Bah oui. Parce que notre corps est intelligent et qu'à partir du moment où on lui dit que c'est un traitement pour l'aider, eh bien, lui va se mettre en œuvre. Bon, déjà, il se met en œuvre sans traitement. Hein, mais si en plus on l'aide, bah, ça va faire encore plus. Donc, ça risque de fonctionner aussi le placebo. On en déplaise à certains. Mais bon. Voilà. Donc, j'en étais où, moi, dans l'histoire? Ah oui, l'État a été pris de court et n'a pas pu prévoir les masques. Ah, c'est bizarre, hein? Il n'a pas pu prévoir les masques ni le traitement qui va avec. Ah, c'est bizarre. Parce que juste avant, il y avait des masques à vendre. Dans les pharmacies, il y avait des masques, il y avait, il y avait, pour les anciennes grippes d'avant, etc. Il y avait des masques qui étaient là. Et à partir du moment où le virus s'est déclenché, pof, plus de masques, disparu de masques. Il y a un peu. Pourquoi? À qui vont les masques? Ah, on ne peut même pas dire qu'ils vont au personnel soignant, hein, parce qu'ils n'en ont pas non plus. Ah non, ils n'en ont pas, ils sont en attente. Ils sont en attente. En fait, on aura peut-être les masques quand il y aura plus de virus. Ouais. C'est possible. Mais quand est-ce qu'on n'aura plus de virus? D'après l'État, ça risque de durer un petit moment. Bon, je ne vais pas trop partir sur la question parce que ça va m'emmener ailleurs et pour le coup, parce que j'ai déjà des choses en tête. Et donc, pour le coup, on va sortir un peu de ma liste. Mais je me demande comment ça se fait que juste avant le confinement, il y a eu des masques et qu'à partir du confinement, plus de masques. Et les pharmacies qui en ont, eh ben, elles n'ont pas le droit de les vendre. Parce que si elles les vendent, eh ben, elles ont une amende. C'est pas bizarre, il n'y a pas quelque chose qui... Non, 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 monsieur, vous avez raison. Ne me croyez pas, ne me croyez pas. Alors, je continue, ne vous inquiétez pas, hein, j'ai... Alors, le docteur Raoul est un expert borderline. Oui. Il raconte tout et n'importe quoi, ce professeur. C'est fou, ça. Hein? Ah, bah ouais. Il a plus de 30 ans d'expérience derrière lui. Il nous a découvert un médicament qui fonctionnait sur les symptômes, les premiers symptômes du virus. Mais si, non, non, c'est un menteur. C'est. Non. C'est pas compliqué, on veut même le radier de l'ordre des médecins. Enfin, on souhaite, hein, l'État souhaite le radier de l'ordre des médecins parce qu'il raconte que des conneries. Moi, je pense que c'est, comme disait, j'ai entendu une vidéo hier qui disait que le docteur, le professeur Raoul était en fait un caillou dans leurs chaussures. Bah ouais, eux, ils voulaient absolument vendre leur vaccin. Hein. Le professeur Raoul, qu'est-ce qu'il a fait? Chac, il leur a coupé l'herbe sous le pied et dit, moi, j'ai un traitement qui fonctionne. Ah, merde. Foutu les vaccins.
on peut plus les on peut plus les obliger. Ben non. Et un traitement, on peut ne prend le vaccin que ceux qui le veulent. Et un traitement. Voilà. Tout va bien, madame la marquise, finalement. Le feu, il n'est pas si grave que ça. Alors, c'est normal d'avoir une application sur son téléphone pour se protéger du virus. Ah oui, l'application sur le téléphone. L'application Covid sur le téléphone. Ça, c'est une bonne idée. Ah ouais, ouais, ouais. Mmh. Ouais, parce que comme ça, on va savoir si vous avez fait le test ou pas. Si vous avez été vacciné, pas. Et donc, bah, vous allez pouvoir être... pour savoir où vous allez, comment vous allez. En fait, c'est un laissez-passer, quoi. C'est comme un passeport. Hein. Si vous avez cette application, vous pouvez sortir ou pas. Voilà. Parce que si vous avez été testé, si vous avez été vacciné, vous aurez votre petit rond vert. Oui, non, mais ça existe déjà en Chine. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je raconte des conneries. Mais j'ai entendu dire que ça existait déjà en Chine. Et il y a déjà plusieurs témoignages hein, qui le disent, hein, que les gens ont sur leur portable donc cette fameuse application, et que si c'est vert, ils peuvent sortir, et que si c'est rouge, bah, on leur conseille vivement, fortement, voire avec pression, de ne pas sortir. Bah, leur laissez-passer n'est pas en règle. Bah, voilà. Et bien l'application. Moi, je vous la conseille, c'est très bien, c'est génial l'application. Alors, elle ne vous protège pas du virus, par contre, elle vous maintient un peu plus en prison. C'est génial, hein? C'est la suite du confinement, finalement. Les tests sont sûrs. Ah ouais, les tests sont sûrs? Pas d'après ce que disaient les experts, en tout cas. Hein. D'après ce que disaient les experts, ils sont sûrs à 20%. Moi, je vous pose la question, où sont passés les 80% qui restent? C'est quoi les 80% qui restent? Si juste 20% des tests sont sûrs. Enfin, ils sont sûrs à 20%, en fait. C'est pas que les tests sont sûrs, c'est qu'ils ne sont sûrs qu'à 20%. C'est-à-dire que si vous allez aujourd'hui faire un dépistage et que vous n'avez rien attrapé, bah, votre test, il va être négatif, puisque vous n'avez rien attrapé, que tout va bien, et que vous êtes négatif. Dans 2 jours, vous croisez quelqu'un qui a eu le Covid et qui il vous le transmet. Vous devenez, si vous ne tombez pas malade ou si vous en sortez bien et tout, vous devenez un porteur sain. Oui. Mais comme vous avez déjà passé le test avant, donc du coup, il est caduc. Il est caduc. Il ne sert à rien. Donc, vous allez sortir dehors en disant « Ouais, j'ai passé le test, tout va bien, je ne suis pas infectée. » Alors que vous l'êtes. C'est... Hein? Donc, finalement, il faudrait, à chaque fois que vous sortez et que vous rencontrez quelqu'un, refaire un test 15 jours après l'avoir rencontré. Sauf qu'après 15 jours l'avoir rencontré, entre-temps, vous n'êtes pas resté chez vous, vous êtes sorti, vous êtes... voilà. Donc, il ne sert à rien. Il ne sert à rien. Non? Non, vous avez raison. Je raconte des conneries. Et pour finir, bah bien... Voilà, je vous ai pris quelques affirmations que je vous ai démenties. Je vous mettrai, comme je vous ai dit, le lien en dessous, enfin le lien que j'estime intéressant, si vous voulez vous donner la peine de regarder. Hein, bon. Parce que c'est pareil, hein, sur les vidéos, beaucoup me font des commentaires en me disant « Ouais, mais tu parles pas de ci, tu parles pas de ça, mais je parle. » Sois curieux, regarde jusqu'à la fin, tu verras bien que j'en parle. Hein, voilà. Alors, moi, j'ai une déclaration à faire. Hein, et cela est tout à fait personnel, légitime
Et j'estime avoir le droit de choisir ce que je veux et ce que je ne veux pas. Alors moi, je ne veux ni masque, ni puce, ni vaccin, ni test, ni application sur mon portable. Je ne veux rien de tout ça. Rien. Je refuse d'être une esclave à la solde de l'État. De l'État, je parle de l'État français puisque je suis en France. Mais finalement, ce qui se passe en France, c'est mondial. Hein? C'est mondial. Donc, je refuse tout ça. Ah, mince. Ben, ils ont dit que si on refusait ça, on n'avait plus le droit de sortir. Qu'on aurait sûrement, pardon, excusez-moi, oh là, je joue sur les mots, qu'on n'aurait sûrement pas le droit de sortir et que l'on serait confiné chez nous parce que on ne peut pas être suivi. Merde, mince, crotte, zut, flûte. Oh! Alors maintenant, on veut nous suivre. On veut savoir exactement où on va, ce qu'on fait, comment on le fait. Avec qui on le fait. Et on nous dit que la France est un pays libre. Ah, ouais, d'accord. On nous met ça sous le dos du virus. Ah, il a bon dos le virus, hein. Et il est pourtant tout petit, hein, mais qu'est-ce qu'il est costaud? Il a bon dos, hein. Bon. Bah, écoutez, si vous voulez le croire, c'est votre droit. Voilà, c'est votre droit. C'est. Encore une fois, c'est juste pour information, c'est juste pour vous dire que c'est ce qui ressort le plus souvent et c'est ce qui me fait le plus rire au final. Parce que les gens, ils observent pas, les gens, ils regardent pas. Ils croient tout ce qu'on leur dit. Ben ouais, alors, ben les infos, ils mentent jamais, hein, les informations, elles mentent jamais. Elles n'arrêtent pas de se contredire, mais elles mentent jamais. Ben, au final, elles se contredisent parce que l'État lui-même donne des fausses informations. Donc du coup, ben, les infos donnent de fausses infos par le fait. Hein. Et voilà. Et comme l'État a fait exprès de nous mettre dans un brouillard autre qu'un brouillard de purée, c'est-à-dire pour pas qu'on sache où on en est, pour ne pas qu'on sache où l'on va, et surtout pour pas que l'on sache ce que l'on veut. Et de ce fait, ben, on est prêt à accepter tout et n'importe quoi pour retrouver la liberté. Sauf que la liberté n'est qu'une fausse illusion, en tout cas chez eux. Parce que vous allez être tracé de partout. Déjà que vous êtes tracé, hein, là, c'est bon, hein, je suis en train de faire une vidéo, c'est bon, hein, je suis surveillée. Hein, mais bon, moi, je suis. C'est tout le monde est tracé de partout. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Et comme il y a des petits malins qui ont compris qu'il y avait des moyens de ne plus être tracés, de ne plus être suivis et qu'on arrête de nous espionner via le téléphone, via Internet, via les comment, tous les réseaux, tous les Orange, SFR et tout ça. Il y a des petits malins qui ont réussi à trouver la solution. Ah ouais. Et c'est donc pour ça qu'on met toutes ces puces, ces trucs sur le téléphone et tout. Mais au final, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ah, la reconnaissance faciale aussi. Ah, je vous conseille la reconnaissance faciale. C'est une très bonne chose, ça, la reconnaissance. Ah ouais. Parce que même si vous oubliez votre téléphone, enfin, si vous oubliez votre téléphone chez vous, hein, et que vous décidez de sortir, bah, vous avez la reconnaissance faciale et on va vous retrouver. Et là, on va voir, est-ce qu'elle a son téléphone sur elle? Non, pas. Bah, mince, elle n'a pas son téléphone sur elle, ou sur lui d'ailleurs. Ah, et bien, bah, on va aller chercher plus profondément. Voilà. Et donc, vous êtes tracé quand même. Vous êtes tracé quand même. Donc, la reconnaissance faciale. Et moi, je trouve qu'en fait, au final, le masque. C'est génial. La reconnaissance faciale. Maintenant, avec les drones, les caméras et tout ce qui s'ensuit. Nous sommes dans un pays de liberté, mes enfants. Voyons.
Je ne raconte que des bêtises et nous sommes dans un pays de liberté et de démocratie et de tout ce qui s'ensuit, n'est-ce pas? Bien, regardez le soleil, il est d'accord avec moi, il brille là. Pourtant, c'est blindé de nuages et pourtant il brille. Voilà. Bon, bah, sur ce, hein, je vous souhaite un bon vendredi, hein, 1er mai, c'est ça? Ouais. Ouais. On est férié, c'est férié. C'est férié. On est en confinement, les gars. C'est férié. Il n'y a plus de vacances, il n'y a plus de férié, il n'y a plus rien du tout. Ah, il n'y a plus rien. C'est juste top. Voilà. On est en vacances. Voilà, on est en vacances H24. Voilà. Juste entre nous, là, on en a pour au moins 18 mois. Minimum 18 mois. Confinement, déconfinement, confinement, confinement. Jusqu'à ce que vous acceptiez d'être tracé. Jusqu'à ce que vous acceptiez d'avoir la puce. Jusqu'à ce que vous acceptiez d'avoir cette appli sur le téléphone. Jusqu'à ce que vous acceptiez d'être testé. Jusqu'à ce que vous acceptiez d'être vacciné. Et jusqu'à ce que vous acceptiez que le monde entier accepte d'avoir un masque. Eh ben, moi, je vais être confinée jusqu'à la fin de ma vie parce que je refuse tout ça. Voilà. Eh ben, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, hein, un bon mercredi férié, hein, et un bon 1er mai. Ben, c'est là, voilà. Et je vous aime tous de tout mon cœur, je vous aime fort et je vous embrasse. Que la paix soit avec vous.